Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on va voir 50 images les plus bizarres, les plus étranges, les plus tout ce que vous voulez, les trucs impossibles à refaire dans Minecraft. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Je fais plein de bisous, un énorme merci, c'est trop cool. Donc du coup, là on n'est pas sur le compte de PhoenixSC comme les 8 premières vidéos, enfin les 8 vidéos que j'ai faites. Là on est sur le hashtag Cursed Minecraft. Voilà, c'est le hashtag qui regroupe tout en fait, parce qu'avant c'était que les images du même gars à chaque fois que je regardais, et là c'est pas du tout ça, c'est toute la communauté. Et vous allez voir qu'il y a des screens qui sont tous plus stylés les uns que les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo, c'est le petit truc abonnement. En plus comme ça on pourra atteindre les 100 000 abonnés, et ça les gars, les 100 000 abonnés c'est plutôt pas mal. Déjà on est bientôt aux 40 000 je crois, donc un énorme merci à ceux qui s'abonnent. Vérifiez bien, puisque du coup en fait je fais à peu près les mêmes vidéos sur mes deux chaînes, Oximos et Oximos Gaming, et il y a des gens qui cliquent sur les recommandations, ils voient une vidéo à moi et ils se disent mais non, je suis déjà abonné à Oximos, sauf que c'est une vidéo Oximos Gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Donc là, regardez, il y a les premiers trucs, et c'est même pas du cursed Minecraft. Vous savez, les cursed Minecraft, c'est les images que les mecs essaient de faire et qui sont infaisables à faire dans Minecraft. Sauf que ça, c'est vraiment faisable à faire dans Minecraft, puisque il y a la version 1.16 qui vient de sortir. Ou en tout cas, elle est sortie en bêta, et on peut vraiment mettre de l'eau dans le Nether avec la bêta 1.16, et je trouve ça totalement dingue. C'est une vidéo, ouais, c'est du cursed, mais en même temps pas du cursed, c'est vraiment étrange. En tout cas, maintenant on peut mettre de l'eau dans le Nether. Alors c'est un bug, bien sûr, ça sera corrigé, mais je trouve ça incroyable. Donc voilà, première image assez stylée. Alors, dépressed iron golem we found. Oh non, il a trouvé un iron golem dépressif. Oh, il baisse la tête, il est tout triste. Il est tout triste, le pauvre, regardez-le. C'est la première fois, d'habitude, ils sont tout droits comme as. Ils te regardent, et d'ailleurs je crois que c'est les mobs qui font le plus mal, hein. Je crois que c'est les mobs qui font le plus mal, parce que à chaque fois que je me fais tuer, c'est par des trucs comme ça, parce que ils t'enlèvent 4 cœurs par coup, et avec leurs grands bras qui se font rara, c'est hardcore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des bots en Netherite, Mending Unbreaking Protection Death Rider Fortune. Ouais. Alors, je vois pas ce qui est trop cursed à part les fortunes, ça sert à rien de mettre des fortunes sur des bots. Ok, là il a un screen normal. Bien sûr. Oh purée, ça me rappelle les premières vidéos cursed Minecraft que j'ai fait. C'était exactement ce type. D'ailleurs, je me demande pas si j'ai déjà vu un screen, ce screen là. Il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Le coffre vache. Incroyable, les potes. Incroyable. Ok. Alors, le classique. Le classique, les gars, on va le dire, c'est l'eau qui est sur la lave et qui ne transforme. Voilà, il n'y a aucune réaction, alors que normalement ça fait forcément de la cobble. Si c'est une source de lave, enfin c'est un bout de source de lave, ou sinon si c'est la source primaire, c'est de l'obsidienne, et là ça forme rien du tout. Là il n'y a rien à faire, ça forme rien. Ok. La cursed, qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'ai pas trop compris. Ok, c'est juste ça disparaît. Très bien. Oh, oh, comment c'est moche! Ah, oh, je suis choqué tellement c'est moche! C'est, bah, vous l'avez reconnu, c'est un chien avec une tête de cochon, mais le museau du chien est resté. Oh, c'est horrible! Qu'est-ce que c'est moche! Je pense qu'ils ont superposé une tête de chien sur une tête de. Non, une tête de cochon sur une tête de. Sur un corps de chien avec une tête de chien. Parce que, en gros, là, on voit qu'il y a le museau du chien et les oreilles, enfin, du loup. Donc, du coup, ça se voit. Il n'y a aucun doute. Oh, j'adore ce genre d'image. J'adore. Le double coffre. Vous savez que ça aussi, j'ai déjà réussi à faire un truc comme ça dans Minecraft. Avec un. Comment ça s'appelle? Un debug stick. Vous faites slash give votre pseudo debug tiré du bas stick. Et vous avez un bâton qui permet. Notamment aux développeurs de maps et aux développeurs de Minecraft. C'est un truc que normalement les joueurs n'ont pas sans savoir, mais vous pouvez l'avoir dans Minecraft. Et en gros, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rotate double coffre. Et en gros, si vous voulez, en mettant un double coffre comme ça, enfin comment je peux vous dire, en mettant un double coffre en mode un double coffre comme ça et un autre coffre normal, bah l'autre coffre normal avec le debug stick, vous pouvez le transformer en double coffre, et du coup ça fait des superpositions de coffres comme ça, et je trouve ça totalement dingue. Et sinon vous pouvez faire des coffres en L ou même des triples coffres, et des triples coffres qui sont totalement buggés, puisque quand vous les ouvrez il y a plein de, enfin j'avais fait une vidéo comme ça
Et je trouve, c'était tellement dingue. C'est, j'avais fait, j'en avais parlé pour cet item à casser. Vous tapez sur YouTube cet item à casser mon Minecraft Oxymose. Et sinon, j'avais fait une vidéo 5 secrets et on voyait un grand coffre. Et sur la miniature, c'était marqué triple coffre. Voilà, vous tapez 5 secrets Minecraft Oxymose et triple coffre si ça passe. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment stylé. Oh ouais, ça c'est un ghast Steve. Ah ouais, c'est un ghast Steve. Ah, tous les mobs c'est des Steve, regardez. Les slimes en bas, c'est juste des têtes de Steve. Derrière, on voit des champimeux Steve. Ok, ouais, c'est pas mal. Le double four, voire triple four. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est plus triple four. Très propre, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un petit avec... Ah, parce qu'il ressemble à la boîte. Regardez, il a un visage assez rond, un t-shirt vert et tout, et là il montre sa tête à côté. Hardcore. What? Oh, j'aimerais tellement avoir ce skin. Oh, il est trop bien ce skin. Il est trop bien, c'est un skin Minecraft. C'est, en gros, regardez, au-dessus c'est la tête en fait. C'est juste qu'il a mis ses jambes et... Oh, mais c'est trop bien fait. Et vous avez vu, quand le Steve y court, et bah sa tête elle se sépare, et du coup à l'intérieur c'est comme s'il avait du cerveau en fait. C'est trop stylé. Je le veux. Wow, c'est trop bien. Je kiffe. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas Cursed ça. Tout le monde l'a déjà fait dans Minecraft. Poser une torche comme ça, ça a fait bugger du gravier. Oh, c'est un... Purée, comment ça s'appelle ça? Merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et en fait, il a mis la tête de Notch sur ce petit truc. C'est une petite peluche grave connue. Dites-moi en commentaire si vous en rappelez. Curse image. Ah ouais, alors. Le piston a double sens, mais qui est tout plus fin que les autres. Ok. Grave bizarre. Grave bizarre. On avait déjà vu des histoires de pistons grave bizarre aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Wesh, hardcore. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Oh, le bateau qui prend feu dans l'eau. Mais bien sûr, toujours plus. Toujours plus. J'étais en train de jouer à Minecraft et j'ai vu ça. En vrai, imaginez vous jouez à Minecraft et vous voyez un tel truc. Oh non, j'ai perdu. Ok, c'est bon. Imaginez vous jouez à Minecraft et vous tombez sur un bateau en feu dans l'eau. C'est hardcore. Est-ce que ça peut prendre feu un bateau dans l'eau? Je sais pas. Alors, ok, Cursed Minecraft. Alors, il est pas sur PC. Quoi? Ah ouais, purée, j'ai cru qu'il tombait. Ok. Là, c'est un zombie qui a pris un lit dans ses mains. Ah non, on dirait qu'il a pris un lit dans ses mains. C'est juste qu'il est superposé. Riding zombie, arsing. K apparently. Bon, ok. Pas trop compris. Tac. Ouais, ok, j'ai pas trop compris. Là, il y a des coffres. Mais ça, c'est normal aussi. C'est parce qu'à gauche, c'est un coffre piégé. Et à droite, c'est un coffre normal. Et du coup, on peut mettre des coffres comme ça. On peut les empiler comme ça. Ok. Cursed Minecraft, Alors, waouh! Oh, ça serait trop bien! Mais oui, en vrai, ça paraît plus logique comme ça. De faire des pommes enchantes en faisant. Attendez. Non, je sais pas. En fait, parce que là, les pommes enchantes. Comment on fait des pommes d'or? On met une pomme dans la tête de craft, on l'entoure d'or. Mais ça paraît plus logique de faire fondre de l'or dans un four et du coup d'enrober la pomme d'or. Tu vois? Ça paraît plus logique. Ok. Ouah, celle-là, elle est connue. C'est une des premières images Cursed que j'ai vues sur les 15 milliards de vidéos que j'ai fait. Ah ouais, celle-là, je me rappelle. C'était des poulets Steve. Elle était bien, celle-là. Elle était bien. Cursed Minecraft, maison des esprits. Ok. Cursed Minecraft, la villa maudite. Ouais. Oh non, y a plus. Non. Non, ne me dites pas qu'il y a plus. Je veux. Attendez, mais il y a quand même des trucs qu'on n'a pas vu là. Cursed Minecraft. Qu'est-ce qu'il y a de Cursed ici? Qu'est-ce qu'il y a de Cursed? Pourtant il y a de l'herbe. Ah, c'est peut-être qu'il y a un petit jardin avec des fleurs qui poussent et un petit peu d'eau en plein sous-sol avec de l'obsidienne. C'est peut-être ça. On dirait qu'ils sont sur un serveur faction. Là c'est marqué fac XP rank. Ça a l'air d'être ça. PVP. Ok, ouais, c'est un serveur faction. Mais je vois toujours pas ce qui Cursed. Et là pour Dreamer qui met. Ok. Ah ouais, oh il a essayé de brain, c'est pas une image Cursed. C'est pas une image qui paraît bizarre et tout. En gros là il dit ouais, l'eau et la lave ils se touchent mais ça forme rien ni de cobble et tout. Parce qu'en vrai ils se touchent pas du tout, la fin de la source d'eau elle va pas plus loin que le truc.
Elle va pas plus loin, elle va pas aussi loin que la lave, et du coup ça se frôle au millimètre près. Et en fait, il a pris le screen au moment où ça allait tomber, mais une seconde en plus. Enfin, s'il attendait une seconde en plus, l'eau elle tomberait sur la lave et ça formerait en bas de la cobble. Donc y a rien à dire. Ok. Bon, les amis, on a vu tous les trucs du hashtag. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, mais non en fait. Bon bah, on retournera sur les photos de Phoenix SC la prochaine fois. En plus, il en a refait d'autres. Mais si je suis pas allé voir sur son compte, c'est que depuis la dernière vidéo, il en a pas fait beaucoup, tout simplement. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, pensez à la partager, c'est le plus important. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.